Hola, todo el cartel de la luna. Black Falcon to the community, je répète, Black Falcon to the community. Première vidéo de confinement, c'est un confinement et ce n'est pas un confinement. Voilà, on peut également partir sur un premier jeu de mots de confinement. Aujourd'hui, une vidéo en duo, j'accueille tout de suite, vous le connaissez sûrement. Pierre, est-ce que tu m'entends 5 sur 5, Pierre, Black Falcon to la belette pas très agile. La belette un peu pâteau, vous entend très bien, Black Falcon. Je vous reçois, le son est excellent en tout cas. Tu te rends compte qu'on fait notre première vidéo duo de confinement là? Mais j'ai envie de te prendre dans mes bras. Mais c'est peut-être le seul avantage du confinement pour le coup. Tu ne peux pas. Ouais, j'ai une petite question, Benjamin, par rapport à ça d'ailleurs. Yes. Tu serais pas à l'origine des demandes auprès de l'État de confinement pour être sûr qu'on se croise pas et qu'on se voit plus? Alors, je peux te le jurer, je n'ai pas été voir la mairie de ton arrondissement pour t'empêcher physiquement par un décret plus une main courante de m'approcher. Ouais. Ça n'a pas été fait mardi midi. Il fallait pas bloquer le pays en fait, hein. Un simple bracelet automatique suffisait. Hein. La fin justifie les moyens. Pierre Cross, tu sais pourquoi je t'ai fait venir dans cette vidéo? Bah tout simplement parce que t'as pas d'autres potes et que je suis le seul qui a une connexion à peu près potable. Alors, l'une des deux infos n'est pas fausse. Pierre Cross, tu sais qu'on avait essayé d'entrer chez Google? Ouais, on a essayé d'entrer chez Google, bien sûr. On a essayé d'entrer à la NASA. Je me rappelle très bien, ouais, ouais, bel entretien d'ailleurs. On a essayé d'entrer chez Apple. Donc du coup, on est d'accord que jusqu'à présent, on a été accepté nulle part. Et faut à un moment donné avouer son échec aussi, je pense. Bah ouais, ouais. Même YouTube, on n'est pas accepté. Hein. Ah, d'accord. Ceci dit, on n'a même pas passé d'entretien. Et aujourd'hui, je vous annonce, et c'est peut-être un changement de carrière qu'on va avoir, on vous l'annonce avec Pierre, on va essayer d'entrer à la CIA. La CIA, dit-on, je crois, du près de Houston et du Tennessee. Le Tennessee dit ça. Je crois que côté Texas, on est plus sur CIA. Donc, ambiance confinement, on vous le redit. Donc, c'est pour ça, niveau décor, on n'est pas encore calé. Moi, je suis calé, Ben. Hein. J'ai vraiment remis une super déco. J'ai travaillé avec des artistes. Artistes contemporains japonais ici. Artistes contemporains vénézuéliens ici. Ici, on a une serviette qui nous vient tout simplement du Canada, qui est très très technique. C'est fait par un mec de Montréal dans un petit atelier très sympa. Je te fais confiance, hein, parce que j'ai pas l'image, donc je te fais confiance, ça doit être sublime. Moi, je me suis mis, j'ai pris un fond blanc. En fait, t'as eu la flemme de décorer depuis que t'habites chez toi. On commence, Pierre? Ouais, ouais, bien sûr, on commence. Allez. Donc, ce sont des questions que nous allons découvrir ensemble, qui nous ont été préparées. Bah, tel un entretien, en fait, on va découvrir. Là, j'ai l'impression de te le faire passer, moi, l'entretien. C'est parti. Question 1. Pourquoi n'êtes-vous pas marié? Bon, et ça te regarde ou pas? Alors, ça peut-être être poli du coup, parce que c'est un entretien d'embauche, Pierre. Je fais absolument ce que je veux de ma vie. C'est juste une recherche un petit peu sociologique, hein. C'est pas menaçant. Ah d'accord, c'est par rapport à l'entretien CIA? Oui, c'est la question en fait. Mais non, d'accord, j'ai pas compris qu'on ait commencé la vidéo. D'accord, très bien. Wow. Mister from the CIA. Je ne suis pas marié pour la simple et bonne raison que je veux dédier ma vie à l'intelligence secrète de notre pays. J'ai déjà la green card. Hein. C'est très très fort. Et je veux être absolument à fond dans mes missions et pas avoir une bonne femme qui me dit « Est-ce que t'as amené du pain en permanence ?» Voilà, ça reste un peu beauf. Ouais, c'est pas mal. En vrai, je pense que c'est la réponse qu'ils attendent. Alors, question numéro 2. Comment estimeriez-vous le poids du bâtiment Chrysler Building? Combien? Alors, le poids, c'est forcément plus qu'un homme. On essaye de mettre une fourchette. N'importe, hein, combien de Benjamin ou combien de Pierre, peu importe. Alors, ça doublerait les estimations. Hein. C'est déjà au moins un bon millier de Benjamin. Donc, ça ferait 500 Pierre. Ouais, 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 c'est un peu violent, mais... Ah ouais. Ça ferait 12 pierres, hein. Ah ouais. Mais non, mais là, il y a moins de pierres que d'étages, Benjamin. Ça ferait pierre. Tu sais quoi, je te laisse répondre, ça, je sais pas du tout. Bah là, comme ça, je dirais qu'à vue de nez, je dirais 318,90 mètres de hauteur, avec, je sais pas, 111 201 mètres carrés. J'ai le partage d'écran de Pierre qui est sur Wikipédia. Ah merde, j'ai oublié de couper mon partage d'écran. En même temps, est-ce que c'est pas toi qui as réussi l'entretien? Parce que depuis tout à l'heure, c'est toi l'agent secret qui va chercher des infos en fouinant. Ouais, mais je suis pas secret parce que je partage mon écran. Alors vas-y, 3 tonnes, 100 tonnes, je sais pas. 3 tonnes, mais c'est une voiture, 3 tonnes. Bah, je dirais Whitney Houston. Whitney Houston. On l'a.
Je dirais Matthews, moi. Toi, t'es sur un Matthews? Ok. Ouais. Un Brian Krantz? Moi, je serais sur un Tumé. Bon, bah, on finit sur un Tumé, et je pense que là, on l'a eu à l'humour. C'est le principal. Bien sûr. Parlez-moi d'un moment où vous avez enfreint les règles. Attends, parce que vous, je vous connais. Et je veux pas faire le mec qui est parano, mais ça se trouve, vous êtes de la CIA et vous demandez ça pour pouvoir m'arrêter. Bien joué, Pierre. Et voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai... Alors, étant petit, sur le château d'eau de ma commune... Ça va être un gars. J'avais tagué. Ça va être nice. Au feutre noir, indélébile. Si, indélébile. Il a fait un truc à la craie. J'avais tagué Passy, le rappeur Passy. Voilà, c'est nul. Est-ce que tu es prêt, Benjamin, pour la question suivante? Je suis totalement ready, comme on dit. Si vous avez 7 chaussettes blanches et 9 chaussettes noires dans un tiroir, combien de chaussettes devez-vous retirer à l'aveugle pour vous assurer d'avoir une paire assortie? Ah, moi j'ai la réponse. Je vais vous donner la bonne réponse et là ça va vous surprendre. 3 chaussettes. Visualise une chaussette. Oui, plutôt simple. Maintenant, fais en sorte dans ta tête qu'elle soit blanche. On dirait un tour de magie. Hein. Concentre-toi maintenant. Donc, admettons, t'as tiré cette chaussette. Bah, dans le meilleur des cas, je tire les deux, ça me fait une paire absortie. Blanche, d'accord. Et dans le pire des cas, tu as tiré une chaussette blanche. Tu tires une chaussette noire, tu as deux chaussettes différentes. En revanche, la troisième, elle est soit blanche, soit noire, et tu as forcément une paire. Très bien. T'as compris? Oui. Maintenant, visualise un slip sale. Oui. Voilà. Oui. Non. C'est juste pour que tu imagines mon confinement, en fait. Comment gérez-vous votre colère? J'ai envie de vous dire que je la gère très très bien. Ouais. Je vais pas me laisser me faire chier dans les bottes par un connard qui me demande comment je gère ma colère. C'est tout. Merci. Comment tu gères ta colère, Pierre Cross? En vrai, je suis pas très quelqu'un de très colérique. Ouais. Et plutôt, j'ai plutôt tendance à me réfugier dans plutôt le calme. Et quand je suis un peu contrarié, plutôt M&M's, Malteser. Ah oui, d'accord, ok. Dans Bueno blanc, en général. Comment gérez-vous votre colère? Vous prenez 7 kilos. Ouais, alors ça dépend de l'énervement. Si vous regardez une horloge et qu'il est 3h15, Benjamin, quel est l'angle entre les aiguilles des heures et des minutes? C'est l'angle d'attaque, quoi. Non. Putain, j'ai un vieux doute, là. Tu sais lire l'heure des aiguilles? Ça dépend de l'heure? Attends, il doit y avoir un bug là, parce que je t'entends plus, je te sens gêné. Mais ça dépend. Dans ta collection. Quand il est 3h15, l'angle des aiguilles, elle est forcément perpendiculaire. Et puis voilà, et puis c'est tout. Je pense qu'on peut passer à la question d'après. 3h15, justement, il n'y avait pas d'angle. Ça dépend déjà de la marque de la montre et ça dépend de l'heure. Non. Est-ce que la montre est waterproof? Donc voilà, on n'a pas assez d'infos, désolé. Vous travaillez bien sous le coup de la pression? Ça dépend du fût. Hey, il est drôle, embauchez-le. Franchement, embauchez-le, il va vous faire marrer dans l'open space. Allez, question suivante, on vous a eu à l'humour. Avez-vous déjà été en prison? Non, j'ai jamais été en prison. T'as jamais été en prison, moi non plus? Mais attends, il y a des humoristes qui font des spectacles en prison, ah, toi, ouais, quand c'est t'as vrai. Fait de la scène. La prison n'a pas accepté. D'accord, t'étais trop dangereux. En fait, ils ont reçu les extraits du spectacle et ils ont dit... Non. Il y a déjà assez de crimes dans cette prison. Écoutez, qu'ils aient eu perpétuité, c'est une chose. Mais on va pas leur infliger ça, d'accord? On a aboli la peine de mort, n'allons pas plus loin. Alors Pierre, mentirais-tu à un ami, même si c'était pour son propre bénéfice? Question pas simple, mais... Ouais, intéressant. Et en même temps, je t'ai déjà dit que j'aimais bien tes vidéos, donc... Alors, t'as peut-être pas les mêmes questions parce qu'on est en confinement, c'est un ami. Ouais, justement. Tu m'as déjà montré une vidéo avant de la sortir et je t'ai dit, ouais, elle est cool. Alors, je sais pas ce qui est le plus vexant, le fait que tu me considères comme un ami ou le fait que tu m'aies menti en disant que t'aimais bien mes vidéos. Je sais pas ce qui est le plus vexant. Est-ce que tu mentiras à un ami pour son propre bénéfice? Moi, non. Situations qui peuvent arriver. Ah bon? Il y a forcément plein de nuances et d'équilibres, mais dans 90% des cas, je préfère lui dire la vérité. Tu vois, par exemple, classique, est-ce que tu vas dire à un ami si sa femme le trompe? T'es obligé de lui dire. Avec qui? Mais peu importe, Non, mais ce que je veux dire, c'est avec qui, en fait? Je dis rien sur Kate, je dis juste imagine que... Non, mais maintenant, si t'as des noms, tu donnes des noms. Kate, elle va pas te tromper. Guillaume, Fred, tu donnes des noms, maintenant. Kate ne va pas te tromper, t'es... Là, je t'entends plus, là. Comment t'expliquer? Elle n'a pas de raison de tromper. Ça doit être chez toi, parce que moi, la connexion est nickel. Là, je vois le réseau, c'est... J'ai 4 barres. T'es... T'as rien, en fait. Depuis ta phrase où tu devais faire un compliment. La dernière fois dans le studio, je t'avais dit, ouais, il fait froid. T'as été allumer le chauffage. Ouais, c'est vrai. Bah, je trouve que c'était sympa, quoi. Bah, merci. J'en parlerai pas à Kate, mais merci. Elle va pas te quitter, quoi. Merci. Que devez-vous faire si votre enfant disparaît au cours d'une mission? Oh là là, hey.
Pierre, ça y est, on est dans Mission Impossible. Oh, compliqué. Ça y est, là, vois la mise en scène, là, on est Tom Cruise. C'est en Tekken, non, que justement, la fille du héros mais est oui. kidnappée, je crois, un truc comme mais ça. Mais oui, c'est dans Tekken. Oh oui. Imagine comme ça, quelqu'un a bien voulu procréer avec toi. Imagine, tu la félicites, tu la rembourses, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu trop tôt dans l'histoire. Reviens à l'enfant. Ton enfant, tu l'as élevé, donc forcément, il sait pas parler, il a des problèmes psychomoteurs parce qu'il a appris à se déplacer avec toi. Mais je l'ai élevé, il sait parler, c'est pas un petit beauf. Je sais pas avoir un enfant avec une coupe mulet, un pantacourt, qui va dire, alors les filles, on m'accepte pas sous la couette avec vos couettes? Il va pas dire ça, mon fils. Bah, j'appelle des collègues, quoi, qui viennent le sauver avec moi, on va faire une mission. Ouais, tu peux m'appeler aussi, si tu veux. Non, parce que il me faudra des gens compétents, j'imagine, parce que c'est quand même mon gosse. Tu vois, faudra que des gens qui savent se battre. Moi, honnêtement, je pense que ce qu'ils attendent de nous dans cet entretien, c'est dire, je considère cette personne kidnappée, que ce soit mon enfant ou pas, comme n'importe quelle personne. Merci. Eh, vous l'embauchez, s'il vous plaît. Faut-il suivre davantage sa raison ou son cœur, et pourquoi? Je vous vois venir. Monsieur Starwen. En fait, il est devant toi, du coup. Dans une mission comme celle que vous allez m'accorder, je suis en obligation professionnelle de suivre ma raison. La mission qu'il t'a donnée, Pierre, c'est de nettoyer les chiottes. Je vais suivre mon cœur. Je vais dire non. Professionnellement, la raison. Pourquoi? Parce que le cœur fausse parfois les décisions, tant l'affect peut désavantager la capacité de prendre une bonne décision. Voilà. Écoutez-le bien. Merci. Ouais. Quelle est la pire chose que nous puissions trouver si nous effectuons une recherche propre sur votre famille? Oula, 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 oula. Faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Oula. Bah attends, je vais le faire, vers IKEA. Non. Montrez-moi trois postures du langage corporel qui montrent que vous mentez ou que vous êtes fermé à la question. Ou ça part en Fabien Olicard, Pierre. Alors, trois postures. Les bras croisés. Les bras croisés, t'es fermé à la question. Au contraire, être plus dans le, tu sais, dans le surjeu de je suis à l'aise. Ah bah t'es souvent dans le surjeu. Oui. Pose-moi une question où t'es sûr que je vais mentir et tu vas voir, on va avoir naturellement les postures du mensonge qui vont arriver. Pierre Cross, tu t'entends bien avec des coiffeurs depuis combien d'années? Alors moi, j'ai tendance à, depuis toujours, bien m'entendre. Ah ouais, effectivement, j'écarte énormément les bras. Il y a ça. Ceux qui se grattent beaucoup le nez aussi, ils mentent à ce qu'ils... Ou qui se grattent les oreilles, qui se grattent beaucoup. Là. Ceux qui mentent beaucoup, c'est ceux qui veulent absolument, genre, te regarder droit dans les yeux. Croyez-moi, je suis pressé de Attends. Croyez-moi, je suis pressé de le revoir. Pierre Cross. Pierre. Voilà, du plus profond de mon cœur, je vous jure que je les rapprécie, Pierre Cross. Quand tu mens comme ça, t'as tendance à vouloir que l'autre regarde absolument dans tes yeux. C'est la dernière. Vous nous prendriez comme agents secrets. On serait un peu des James Bond, nous, Pierre, non? Mettez-nous en commentaire si on ferait des bons agents secrets. Qui sait, un jour, nous irons à la CIA et peut-être qu'un jour, Pierre, nous ferons qui est le meilleur agent secret. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis trop chaud. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de confinement. On ne cesse de le répéter, restez chez vous, c'est très important. Je vous laisse. Pierre Croche, je te dis à très très vite. On vous embrasse très très fort. On vous dit à très très vite. Et d'ici là, Scylla. Oh, attends, ça je la connais. Ciao. Je viens de le dire. Ah oui, Scylla. Scylla, ouais, j'ai compris. J'ai compris Scylla. C'est dur.